Bonjour, je m'appelle Pierre Devenel. J'enregistre ce message le 26 mai 2025. Toute ma vie, j'ai suivi les règles. L'école, le catéchisme et son cortège judéo-chrétien. En un mot, tout bien comme il faut. Les fiançailles, le mariage, le PEL, le pavillon, la voiture et les emprunts. Être un bon citoyen. Sans faire de vagues. Et tout ça pourquoi? J'enregistre ce message pour toi. Pour vous. Pour eux. Ce que je vais te dire. Je vais te raconter la vraie vérité. Ils nous ont conduits à notre perte, tout ça pour survivre. Ils ont tout organisé depuis le début, dans l'ombre, ces cafards. Ça va te paraître fou, mais écoute-moi jusqu'à la fin. Ça a commencé doucement. Les OGM, le sida, Tchernobyl. Maintenir les gens dans un état de crise permanente. Le 11 septembre 2001, pour moi, ça a été le déclic, le choc, la révélation. Boum! Soyons honnêtes, entre nous, c'est louche, la version officielle. Tout le monde y a cru, sauf nous, les initiés. Suite à l'explosion du web et l'émergence de ces géants, la 3G, la 4G, la 5G, ils nous ont manipulés, utilisés, surveillés. Big Brother a volé votre liberté. La surveillance de masse était en place. Moi, dans tout ça, je me sentais inutile, impuissant. Mais j'ai repris le contrôle. Quand ils ont commencé à faire des dégâts dans la tête des gens, j'étais déjà prêt. C'est avec ça que j'ai réussi à leur échapper. Tous mes potes m'ont pris pour un dingo. Eux ne sont plus là pour en parler. Moi si. Tu l'entends ça? J'en étais où? Ah oui. À l'époque, ma femme était enceinte. On habitait près d'Orly. Orly! Et son ciel gris. Toujours gris. Je me voyais pas élever un enfant dans la folie de ce monde. Les chemtrails pour me stériliser. Les particules fines pour nous affaiblir. Le fluor pour inhiber notre libre arbitre. Dans ce contexte, le terreau était bon pour de nouveaux virus. Et tu sais de quoi je parle. En Afrique, Ebola, pas assez efficace. Le VIH non plus. Mais là, ils ont fait fort. Le Covid made in China. En quelques mois, il était partout. Ma fille est née à ce moment-là, au début de cette crise. Lola. Pauvre petite Lola. Elle est née avec une malformation pulmonaire congénitale et devait rester en observation. 2 semaines plus tard,
Je n'avais pu la voir qu'une seule fois à cause de ces putains de restrictions sanitaires. Elle est morte. On l'enterrait la semaine suivante. J'en étais où? Les mensonges. Rien que ça. Tout le temps. Partout. Tout le temps. À la télé. Sur Internet. Les mêmes informations. Répétées. Et pendant ce temps-là, alors pour en continuer, on devenait stérile, bête. On ressemblait de plus en plus au porc qu'on bouffait. Mais le vaccin est arrivé. Le miraculeux remède, le fameux. Masqué, résigné, endormi, aveuglé. On avait encore un espoir de liberté. Mais les moutons ont encore cédé. Les labos ont eu ce qu'ils voulaient, nous injecter. Vous savez quoi? Moi, j'ai fui. Loin de tout, loin de tous. Ici. Avec le souvenir de ma fille. Seulement, cette fois-ci, ma femme ne m'a pas suivi. Et je l'avais prévenu. Je l'avais prévenu que tout ça allait arriver. J'ai essayé de la protéger. J'en ai plus pour longtemps. Ils arrivent. La suite, vous la connaissez. Le feu, les flammes. De grands vaisseaux intersidéraux et une nation de zombies à la solde de ces monstres reptiliens. Donc toi, qui regardes cet enregistrement, sois pas comme eux. Tu détiens la vérité. Alors renverse-les et vengeons tous! Monsieur Devenet, vous avez rendez-vous avec le psychiatre dans 5 minutes.